Bonjour monsieur le soir, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un peu fatigué, mais ça va, on va faire avec. Vous aurez vu quelques images avant mon intro, parce que voilà, je vous ai pas repris du tout du week-end, mais j'avais fait des petits plans, du coup je les insère quand même. Du coup vous allez voir le samedi, de toute façon je vous marquerai, hein, vous aurez le samedi on a été à la pêche et vous allez voir un petit peu les. Enfin vous aurez vu les images avant moi. Voilà, de la pêche. Bon, il n'y a pas longtemps, je pense qu'il n'y a pas 3 ou 4 minutes, mais voilà quoi, vous aurez vu un petit peu. On a quand même pêché 8 truites. Voilà, c'est bien. 2 dans la bourriche, ça fait 10 truites au total. Et dimanche, on a été à une brocante. Et je vous insère aussi les. Enfin, vous aurez vu les images. Voilà, parce que je les mettrai avant ça. Avant moi, voilà. Et du coup, je viens ouvrir le nouveau vlog de la semaine. Et on est lundi 5 juin, juillet. On est en juillet déjà. Voilà. Je sais pas si ce vlog va être très long cette semaine parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont m'arriver. Et je ne sais pas si j'aurai le crédit de vous prendre plus souvent que je pense. Enfin, assez souvent que j'ai envie parce que je vous explique après je parle de ma lecture que j'ai bien avancé aujourd'hui à moi à 3 à 3 heures c'est pas grave je vais aller faire une ma petite pédicure de mes pieds voilà à 4h10 mon chéri va faire un PCR voilà pour son opération de mercredi. Mercredi, il se fait opérer et il enlève les 4 dents de sagesse des deux côtés. Les 4. Enfin, deux de côté. Ça fait 4. J'arriverai à parler. Et du coup, après, je vais devoir m'occuper de lui parce qu'il va avoir une bouche d'écureuil. Et il ne va pas savoir beaucoup manger. Enfin, moi, quand je les ai faits, j'ai pas beaucoup mangé. On verra lui. Mais voilà. Et du coup, ben, mercredi, excusez-moi, mais la toux, j'en avais plus. Maintenant, j'arrive à la récupérer. Enfin, soit. Du coup, mercredi, ben, c'est le veto aussi, parce qu'il doit être à 7h enfin, à l'hôpital. Enfin, cette semaine, le week-end était très dur. Parce que samedi, je me suis levée à 4h du matin pour être à la pêche à 5h. À 5h15, on était à la pêche, mais la verrière ouvrait qu'à 6h. Je râle après mon copain, mais voilà, parce que normalement c'était 5h30, mais c'est ouvert à 6h. Enfin, soit. Oh, j'ai lu à la pêche. Un petit peu, pas des masses. Hier, j'ai un peu plus lu. Enfin, samedi, enfin, dimanche, après la brocante et un petit peu avant la brocante. Là, je me suis levée, on s'est levé plus tard, il était 8h, je pense. Aujourd'hui, ben, il était 7h30. Voilà. Je suis fatiguée. Je dois avoir les cernes. Ça se voit un peu, je crois, les cernes. Voilà, je suis fatiguée. Quoi dire d'autre? Bah ouais. Aujourd'hui, ben, dans quelques heures, je vais aller manger après. Dans quelques heures, je vais à la pédicure. Monsieur fait son PCR. On va voir sa tête quand il va revenir. Voilà. Et ça s'approche en mon opération. Mais du coup, je stresse plus que lui, je pense. Voilà. Du coup, je suis toujours dans la même lecture que la semaine passée. J'en ai marre. Je n'avance pas des masses. Je suis à la page 304. J'ai bien avancé quand même. Je suis passée la moitié. Il me reste une centaine de pages à lire. Voilà. J'aimerais bien le terminer au plus tard mercredi. Comme mercredi, je vais essayer de rien faire. Mais c'est vrai que la semaine passée, j'ai pas beaucoup lu. J'avais fait plus de diamond painting. Il est presque fini. Mais cette semaine, je voudrais bien le terminer. Et la fin de semaine, essayer de faire le diamond painting pour le terminer. Du coup, j'aimerais bien le terminer ça avant mercredi. Voilà. Parce que je pense que mercredi, je vais me reposer. Tant qu'il est sur la table d'opération. J'irai le déposer au matin. Enfin, je vais aller le déposer avec ma tontine comme je ne conduis pas. Et qu'il ne peut pas revenir avec la voiture. Du coup, on va aller le déposer et on ira le rechercher. Voilà. Et on ne peut pas, je ne peux pas rester avec lui. Je peux juste aller le conduire et juste l'obligation d'aller le rechercher. Comme c'est une anesthésie totale, l'obligation d'aller le rechercher en étant qu'il était un peu dans les vapes.
Voilà, et je pense que quand il va rentrer, il va se reposer. Il va pas faire grand-chose. Du coup, voilà. Et sur ma lecture, je suis mitigée. J'aime bien, j'aime. Je suis entre deux en fait. J'ai bien aimé le début, mais j'accroche moins maintenant. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'aime bien cette autrice, mais ceci me passe un peu moins. Je sais pas pourquoi. Peut-être que ça va avancer dans le. Voilà. En fait, dans les 10 pages que j'ai lues ce matin, il n'y a que du sexe. Voilà. Ils font ça tout le temps. Toutes les 5 minutes. Voilà. Et voilà. Et c'est vrai que ça commence à m'ennuyer. Le seul truc au début, je vous disais que ça me choquait un petit peu, c'est aujourd'hui et 5 ans après. Mais on comprend le truc à la longue de lire. C'est vraiment comprendre pourquoi il s'est passé ça il y a 5 ans et pourquoi ça se passe comme ça maintenant. Du coup, voilà. Et je peux pas dire que c'est une bonne lecture. Ça va pas être un coup de cœur. Ce sera juste une bonne lecture, je pense. Même si j'ai du mal à le terminer. Mais là, j'aimerais le terminer. Là, j'ai encore une ou deux choses à faire. Manger avant de partir. Je vais manger. Je vais finir ce que j'ai à faire. Voilà. Parce que là, j'ai déjà bien travaillé. Là, il faut que je ferme mon sac poubelle. Mais là, je vais attendre monsieur pour qu'il me le ferme. Parce qu'elle est lourde. Du coup, je vais attendre qu'il arrive et je vais lui demander. J'aurai plus que les 2 litières à faire de mes loulous. Que je ferai ça quand monsieur sera rentré, je pense. Voilà. J'aurai un autre truc à lui demander parce que je n'arrive pas à me plier avec mon genou. Et si vous voyez, regarde, j'ai mis mon beau marque-page. Il est trop beau. Je suis trop contente. J'avance. Je voudrais bien le terminer. Voilà. Je viens de passer le chapitre parce que j'étais en train de lire 26. Et je ne sais pas combien de chapitres il y a, 30 et des. Je vois qu'il y a aussi un prologue avant. Un en 33. 34. 35. Bon, il y a 35 chapitres. Et après, il y a épilogue. Et après, ben, les remerciements. Voilà. Dites-moi dans les commentaires s'il y a quelqu'un qui lit les remerciements. Moi, je lis en diagonale, quand il y a tous les noms, je remercie l'équipe, nanana, ça je passe et je lis le reste quoi, mais les noms je passe, voilà. Voilà, et j'ai déjà ma petite lecture prévue après, enfin j'en ai une qui me plaît, j'ai envie de lire le 4e et dernier tome de Heartstopper, qui est une BD, j'aimerais bien lire ça juste après. Et après, je ne sais pas si je me fais quoi. Il y a le tome 2 aussi, normalement. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où je l'ai mis. Je vais regarder après, je reviens. Voilà, je l'ai retrouvé. Il est juste ici. Il est plus petit que celui-ci, comme vous pouvez voir. Il est plus petit. Du coup, je ne sais pas si je vais le lire tout de suite. Et je ne sais même pas si c'est une suite. Il n'est pas marqué dans celui-là. J'essaie de ne pas me spoiler à suivre. C'est ça que je comprends pas. Je ne sais pas. Bon, c'est notre histoire, mais elle est plus petite. Il fait 300 pages aussi. Du coup, je pense que peut-être le faire en même temps. Du coup, je sais pas. Ici, non, ça parle pas du même personnage, c'est ça qu'il y a. Je pense que je vais me le faire aussi, et comme ça, je serai tranquille. Dans l'ombre du danger, fleurissement. La plus belle histoire d'amour. Les hommes, si la vie de Mandy. Ah, oui, c'est la meilleure amie de celle-ci. Ah, c'est ça qu'il y a. D'accord. Kim. C'est la meilleure amie de Kim. Et tout est aujourd'hui si choqué. Et c'est à cause d'adopter à. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la suite. Sans lettres. Mais on va retrouver ces personnages qui est dans celui-là. C'est ça qu'il y a. Du coup, je ne sais pas si je me le fais directement ou si j'attends un peu et que je me refasse un autre. J'en ai d'autres que j'ai envie de lire. Ouais, du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai envie de me faire un Emma Gray. Gray. Ou je ne sais pas. Je vais voir ça. On verra bien. Du coup, voilà.
Mais je voudrais bien avancer dans celui-là. Je vais mettre dans le livre addict aussi. Parce que c'est vrai que j'ai pas mis mes pages. Je vais faire ça. Voilà. Sur ce, je n'ai plus grand-chose à vous dire. Je vous reprendrai tantôt ou demain. Du coup, je vous laisse. Allez, à plus tard. Ah, pour vous tout de suite. Bonjour mon petit sel, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est le 6 juillet. Je sais qu'on est le 6 parce qu'aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis avec mon monsieur chéri. Voilà. Et comme je disais, je vais pas vous prendre tout de suite, mais j'ai eu... Il y en a deux à moi. Et le troisième, c'était à mon papa. Mais je vais quand même l'ouvrir avec vous. Voilà. Je vous parlerai de ma lecture après. On va d'abord ouvrir ça. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est celui de mon papa? C'est le mien. Hop là. C'est vrai qu'il est tout petit. Ah ouais. Je vais pas écorcher le nom. Hop. Je sais juste que c'est un MM. C'est fort blanc. Les pages. C'est FF, ça veut dire femme, femme. Je l'ai vu sur Insta. Et du coup, ça me tentait vraiment bien. Mais j'ai peur d'abîmer le doigt. Et du coup, c'est Louise à 19 ans et sort du son lycée. Elle ne sait pas quoi faire de sa vie, mais a un rêve d'être commis roman. Excusez, je reviens, je vais me moucher. Me revoilà, j'étais mouchée. En fait, je saigne un petit peu du nez. Du coup, quand je sens que ça coule, je vais vite me moucher. Et voilà. Du coup, j'en étais où? Ah ouais. Mais un rêve d'être romancière. Elle, le problème, c'est qu'elle n'est jamais tombée amoureuse pour créer visiblement. Ma porte qui vient de s'ouvrir. Crédibilité. C'est créti. Chrissy, sa meilleure amie, Chrissy, sa meilleure amie s'inscrit sur la nouvelle application de rencontre à la mode de toute la France, à la capacité de reconnaître facile. On voit pas bien, je sais pas si vous allez voir, mais révolution. Gravité, suite tombée en haut lorsqu'elle découvre sa liste de compatibilité qui n'est composée que des femmes. Beuh ou vérité. Voilà. Je sais pas si vous allez voir, mais l'écriture, on voit pas trop bien avec le reflet. Voilà. Je suis impatiente de me lire ça. C'est petit. Je crois qu'il est même plus petit qu'un poche. Regardez, je vous mets plus ou moins. Hop, il est un peu plus petit qu'un poche. Regardez, il est un peu plus petit qu'un poche. Mais il est très beau. Voilà pour le premier. Ça doit être celui de mon papa. Que c'est lourd. Il est où le... Voilà. Ils n'ont pas mis de... Ouais, c'est ça, c'est pour mon papa. Hop! Ça, j'en sers toujours pour faire des colis. J'espère que vous n'avez pas vu mon adresse. Du coup, c'est des petites feuilles de loto. En fait, c'est où il va à un café où une dame tient, c'est une amie à lui, qui cherchait des planches, parce que c'est une planche que vous coupez. Pour jouer au bingo. Et du coup, il m'en a demandé deux paquets. Il y a 1200. 1200. Il y a quoi en faire. Voilà, mon papa va être content. Et l'autre, c'est un livre que je voulais me l'acheter depuis un moment. Hop. Toutou. On voit pas. Moi, je sais c'est quoi. Hop. Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts? C'est un nouveau livre. C'est le nouveau. C'est juste un collègue. Voilà. C'est décrit par qui? Marcheriata. Marcharata.
Gabrine Anina. Bon, je vais pas écorcher le nom parce que moi j'écorche toujours les noms. Du coup, on va lire un peu la quatrième de couve. À 27 ans, Morgane croit à son avenir tout tracé avec Jean, son fiancé. Malgré les hauts de ses bas, elle est précisément que leur histoire est faite pour durer. Mais cette certitude flashant lorsqu'elle est cruautée par l'allonge. Par allongé. Divital. Je comprends pas là. Elle se laisse entraîner par ambulance festive de la star pop et se rend compte que le doux sourire que l'homme qu'elle croise tous les jours à la machine à sous est loin de la laisser indifférent. Et lorsque l'envie de désir de se transformer en ce désir bien plus profond, Morgane se trouve confrontée à un dilemme. Sera-t-elle prête à vaincre toutes ses propositions juste pour lui, son collègue? Un nouveau succès de la plateforme Autodité Chérie Pays. Voilà, il est très beau. Il me donne très envie. Il fait combien de pages? Ah ouais, quand même. Il fait exactement 555. Voilà. Et celui-là, j'ai pas regardé combien il fait cette page. 370. Celle-là, c'est un. Ouais, j'aime bien le toucher. C'est un non édité. C'est ça que ça commence à se dire, je crois. En fait, il n'a pas de maison d'édition comme celui-là, que c'est chez Hugo. Celui-là, il n'a pas de maison édition. Voilà. Comme ça, vous savez la différence. C'est pour ça que eux qui font comme ils veulent. Que là, c'est Hugo qui décide. Voilà pour les deux petites réceptions du jour. Voilà. Je voulais vous montrer aussi. J'ai fini mon Diamond Painting. Je vais le chercher. Vous êtes prêts à le voir? Il est trop beau. Je vous essaie de vous le mettre en grand, plus loin, pour que vous voyez. Voilà, il est terminé. Il est terminé hier soir. Voilà. Il est trop, trop, trop beau. Voilà, j'ai plus qu'à lui couper tous les bords blancs et le mettre dans un cadre. Voilà. Et je commençais celui-là quand le facteur a fait ding-dong. Voilà. J'ai fait que là, vous voyez, là, on voit les perles. Voilà, c'est celui-là que je commence. Voilà. Bon, on va quand même parler de notre lecture en cours. J'avance. Je suis à 300. 335, j'ai presque fini, il me reste une centaine de pages. Je pense que le finir, je vais en faire un petit peu aujourd'hui et lire demain. Je pensais de terminer demain, gros max. Voilà. Je vous en dirai plus à la fin parce que pour le moment, je suis un peu sur. Il y a un truc qui s'est passé qui m'a donné envie de continuer à lire. C'est pour ça que j'ai bien avancé hier. Mais je sais pas, j'ai encore un. J'ai encore des doutes sur cette bonne lecture, on va dire. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais continuer de faire mon diamond painting un petit peu. Vous voyez mon fauve là qui fait des conneries. Et parce que je voudrais bien, après, j'aimerais bien faire un petit peu encore de diamond painting, comme je vous ai dit, la porte qui s'ouvre. Je reviens, je vais fermer cette porte. Voilà, elle est fermée. C'est parce qu'il y a un courant d'air, du coup, voilà. Que j'allais dire. Je vais continuer un petit peu mon diamond painting jusqu'à midi. Il est 11 h, je continue jusqu'à midi. Après, ben, je mangerai un petit peu et je vais replier tous mes vêtements que j'ai à replier parce que j'ai du boulot quand même. J'ai déjà bien avancé. Là, j'ai fait le balayage de tous mes escaliers. Je suis au deuxième. J'ai fait du grenier jusqu'en bas. Je suis classée, cassée. C'est pour ça que j'ai commencé un peu mon diamond painting.
Et d'avoir été encore chercher les colis, je suis au deuxième étage, je suis morte. Du coup, là, on va se reposer un petit peu jusque midi. Et puis, de midi, je mangerai, je ferai replier tous mes linges. Voilà. Et après, je lirai un petit peu. Je ferai mes patates avant que monsieur rentre aussi. Éplucher mes patates. Et voilà, parce que demain, journée assez stressante. Je sais pas, je vous l'ai dit, je pense que monsieur se fait opérer des dents de sagesse, voilà. Et du coup, il va aller faire ses dents de sagesse. Et j'avais envie que le reste soit propre, enfin, que ce soit nickel avant que vous voyez un peu mon domaine qui est là, dans mes lunettes. Pour que tout soit propre aujourd'hui et vendredi, pour que je puisse être avec lui, prendre soin de monsieur, voilà, comme il aura certainement un peu mal quand même. Voilà. Et je veux dire d'autres. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si jeudi et vendredi, je vous reprendrai beaucoup. Demain, je vous reprendrai, mais peut-être pas longtemps comme je serai un peu stressée. Voilà. Il doit rentrer pour 7 heures. Je vais le conduire avec ma tontine. Et puis, je reviendrai. Je donnerai un coup de torchon. Je changerai le lit si j'ai le courage de changer mon lit. Il n'est pas sale, hein, c'est pas ça, mais je vous ai dit que j'allais changer le lit pour que quand il revient, qu'il puisse aller se coucher dans un lit tout propre, tout nickel. Voilà, plus frais. Voilà. Et du coup, voilà. Pour ce, je vous laisse et je vais continuer un peu mon Damon. Et je vous tiens au courant pour le Damon. Ou j'en vends, j'avance. Si ça vous tient. Allez, je vous laisse. Bonjour, monsieur. J'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Je parle pas fort. J'espère qu'on m'entend. Parce que, comme je vous ai dit, monsieur s'est fait opérer des dents de sagesse aujourd'hui, ce matin. Et là, il se repose encore. Il est toujours sur l'effet de l'anesthésie. Du coup, voilà. Là, il est KO. Du coup, je ne parle pas trop. Et je n'ai pas avancé dans ma lecture aujourd'hui. Je voulais le terminer aujourd'hui, mais je vais essayer après. Je vais le faire un petit peu là. Mais je suis pas sûre de le terminer aujourd'hui. Et voilà. Mais du coup, je vais pas traîner avec vous aujourd'hui parce que comme il dort et que la chambre est juste là, je ne veux pas qu'il m'entende. De toute façon, il faudra que je le réveille pour qu'il prenne ses médicaments. Mais voilà. J'ai tout ce que c'est à dire. Et tout s'est bien passé pour ça, ça. Si vous voulez savoir, tout s'est bien passé. L'opération a bien marché et tout ça. Enfin, c'est juste enlevé des dents, mais ça a bien marché. Il a pas trop mal pour le moment. Enfin, il dort encore. Du coup, ça se dort encore aussi. On verra demain ou ce soir dans la nuit. Il a des médicaments à prendre. Du coup, voilà. Dans les environs 8 heures, je le réveillerai pour qu'il mange et qu'il prend ses médicaments parce que c'est faut les prendre en mangeant. Et voilà quoi. Et j'aimerais bien terminer cette lecture qui est toujours mi-mai. Mais voilà, je suis à 386 pages. J'ai un tout petit peu avancé cet après-midi. Enfin, pas des masses. Je crois que j'ai 2 pages. Parce que ce matin, j'étais le déposer. Il devait être pour 8h30 à l'hôpital. De là, j'ai dû aller chez ma mamie en 8h, mais je suis rentrée qu'il était 11h. 11h30. Un peu plus même. Moins quart, moins 10. Enfin, 11h45. Du coup, quand je suis rentrée, j'ai vite mangé un petit bout. Et quand j'ai mangé, après avoir mangé, j'ai vite donné un petit coup de torchon. J'ai mis sécher la machine que j'avais mis en route avant de partir le conduire à l'hôpital et fait ma petite vaisselle. Et après, dans les environ 2h, 2h30, il fallait aller le rechercher. Voilà. Excusez-moi. Et du coup, sur le chemin, j'ai dû aller chercher ses médicaments. On a été vite chercher ses médicaments. Et depuis lors, il dort. Enfin, il est dans le lit, il se repose. Sans dormir, des fois il dort. Voilà. Et voilà. Du coup, je ne sais pas quoi faire. J'ai pas envie de faire de bruit. C'est compliqué. Voilà. Du coup, je reste sans rien faire.
Voilà. Et ici, il faudrait que j'allume pour lire, parce que ici, vous voyez de la lumière, parce que la lumière vient comme ça. Mais en fait, il fait tout noir pour lire. Du coup, voilà. Je ne sais pas, j'attends. Mais je vous en parlerai un peu plus demain. Du coup, je vous reprendrai demain. Et en même temps, je viendrai conclure le vlog demain et faire le montage, parce que j'ai toujours pas fait le montage de ce vlog. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve demain en parlant plus fort. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est jeudi. J'avais envie de conclure le vlog aujourd'hui, mais j'hésite. Je suis en train d'éditer, que j'attendrai bien demain encore un peu. Parce que j'ai pas lu et j'aimerais bien terminer ce livre aujourd'hui. Donc voilà, parce que monsieur, ça va beaucoup mieux. Ah! Voilà. Vous vous tenez pas droit. Mais tuc, je veux pas rester sur place. Tuc. Ah, vous allez encore tomber. Voilà. Il n'y a rien, rien qui veut m'écouter aujourd'hui. Voilà. Ça va aller mieux. Enfin, j'espère. Voilà. Moi, là, je viens de sortir de la douche. J'ai lavé mes cheveux parce que j'en pouvais plus. Je suis déjà en pyjama. Le repas en train de cuire. Voilà. Enfin, repas. Ça va être un repas léger. Parce que monsieur ne peut pas manger. Il faut qu'il mange moulu encore quelques jours. Du coup, voilà. Et j'ai pas envie de moudre sa viande. Et lui non plus. Du coup, on se fait une rata aux carottes. On a fait une grosse casserole de pommes de terre et carottes. On va manger ça aujourd'hui. On verra bien demain. Parce que là, je sais pas. Demain, on fera peut-être des pâtes ou du riz. Voilà. Là, j'ai une tignasse pas possible. Je ne les ai pas encore brossées. Voilà. Mais aujourd'hui, je ne vous ai pas dit, on est le 8. On est jeudi. Voilà. Et j'ai pas grand-chose à vous dire comme j'ai pas lu. Aujourd'hui, on a fait quoi aujourd'hui? Ah, on a été apporter ses papiers. Pour qu'ils soient payés. Voilà. Enfin, ses papiers. Plaît. Puis on est passé chez sa maman en même temps pour lui faire un coucou. J'ai chaud d'avoir sorti de la douche. Voilà, on était lui faire un coucou. Il était quand même déjà passé midi qu'on est rentré. Voilà, je suis. Puis maman va tout mouiller. Je vais réessuyer ça après. Et voilà. Et puis j'ai commencé à monter le vlog. Voilà, je pense que je vais le laisser. Je vais le laisser et je vous reprendrai demain. J'espère d'avoir fini ce livre ce soir. Voilà. Du coup, ouais, je vais faire voilà quoi. J'ai marqué 1-1-1. Ouais. Nouveau projet. Je sais que c'est un nouveau projet. Voilà, du coup. Pour le moment, j'ai pas beaucoup de commentaires. Vous faites plus des commentaires sur ma chaîne. Je suis triste. Voilà. C'est parce que je peux pas vous montrer, mais il y a la photo de monsieur. Il doit mettre de la glace sur son ses joues et du coup, il est trop marrant. Voilà. Bah, il a pas mal. C'est le principal. Et juste une petite gêne, mais voilà. Et j'aimerais bien aussi regarder Lucas, que j'ai toujours pas regardé. Pour le moment, je regarde toujours ma série SWAT. SWAT. SWAT, c'est ça, la série SWAT. J'aime toujours autant. Je suis toujours amoureuse de ces personnages. Voilà. C'est des enquêtes policières, mais j'aime beaucoup. Voilà. Du coup, voilà. J'ai rien d'autre à vous dire, je vais vous laisser, je vous retrouverai demain. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain. Voilà, pour conclure le vlog pour une fois. Allez, je vous laisse, à demain. Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Aujourd'hui, je suis là, enfin, je reviens dans le vlog. On est vendredi 9 juillet, voilà. Et je voulais vous parler parce que je vous ai dit que hier j'allais terminer
mon petit livre. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai terminé hier soir. Voilà, je suis contente de l'avoir terminé. Franchement, j'ai un goût de déception. On va dire ça comme ça. J'étais bien le début et je sais pas, je suis pas accrochée au personnage, je suis pas. Ils m'ont rien fait, l'histoire m'a pas vraiment intéressée plus que ça. Pourtant, quand je l'ai pris, ça me donnait très 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 envie de lire. La preuve, je le lis presque tout de suite. Et je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai l'histoire qui m'a pas correspondu. Je ne sais pas. Pourtant, l'histoire était belle. Et c'était une... Voilà, mais on n'apprend pas grand chose en ce truc. Du coup, voilà. Je ne sais pas, je suis. Je l'ai lu hier soir et je ne sais toujours pas. J'allais aller sur Livre Addict pour lui mettre une note. Fini. Toche. Voilà. Et je voulais aller lui mettre une note. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle note que je vais mettre sur 20. Je vais mettre un 15 sur 20. Voilà. Un 15 sur 20. 15 sur 20 sur Libre Addict. Voilà. Je voulais. J'ai lu. Ouais. Hop. Si je fais lu. Non. Je voulais lui mettre une note, c'est pas. Ah, comment on fait? Je ne sais plus comment je fais. Oh oui. Donc voilà. Je ne vais pas vous dire parce que là, j'arrive pas à mettre sa note. Ouais, voilà. J'ai mis un 15 sur 20. Sur 5, j'ai mis un 3. Voilà. Parce que l'histoire est belle quand même. Mais. Le fait qu'elle pleure souvent, l'histoire n'était pas. Au début, c'était touchant parce que on va suivre Kim et Alex. En fait, ils étaient ensemble depuis leur jeunesse, si j'ai bien, on comprend. Et il y a un truc qui se passe et elle décide de s'en aller. Et voilà. Et du coup, elle décide de s'en aller, de retourner chez elle. Parce qu'en fait, elle vivait chez son grand-père. Son grand-père, elle voulait vivre là. Elle voulait changer d'école et tout ça. Et du jour au lendemain, il y a un truc qui se passe, mais on ne sait pas quoi. On apprend ça loin dans le livre. Pourquoi elle est partie. Et du coup, Alex. Il a fait une petite déprime, on va dire ça comme ça. Il allait de droite à gauche avec les filles, mais jamais d'attachement. Parce que c'est vraiment Kim qui l'intéressait le plus. Et un jour, Kim va revenir pour une fête, festival, je ne sais plus quoi, de bikers. Et du coup, elle va arriver. Elle va essayer d'éviter tout à tout prix Alex. Mais à un moment ou l'autre, on ne peut pas l'éviter parce que c'est une petite ville et tout le monde se connaît et tout le monde sait tout. Du coup, voilà. Et elle va tomber sur lui. Ils vont s'expliquer. Et c'est à partir de ce moment-là, plus ou moins, qu'on va comprendre les choses. Enfin, pas tout. Voilà. Une partie, puis on apprend encore. Je sentais venir les choses. Pas la première chose qu'on apprend, mais la deuxième, je le sentais. Je sais pas pourquoi. Au début, je me pensais que c'était vraiment ça. Mais en fait, non, c'était il y avait autre chose. Voilà, je peux pas vous dire, mais il faut le lire pour comprendre. Je vous le conseille, c'est une bonne lecture quand même, mais c'est pas un coup de cœur, on va dire. Voilà, je suis contente de l'avoir lu. Voilà, mais c'est pas une histoire qui me restera en mémoire, je veux dire. Voilà. Maintenant, je ne sais pas quoi lire.
Mais ce matin, en attendant ma tantine venir me chercher, j'ai commencé Heartstopper 4 de Alice Osman chez les éditions Hachette Roman. Voilà, c'est le tome 4. Voilà. J'ai lu 72 pages ce matin. Je ne vais pas vous parler de l'histoire, ou j'en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est une histoire MM. Voilà. On va suivre ces deux garçons. C'est Charlie et. Oh, je sais jamais. C'est Charlie et Kim. Un truc comme ça. Je sais jamais les noms, mais enfin, soit. Et du coup, on va les suivre dans leur petite romance. Voilà. Enfin, au début, il y en a un des deux, je ne sais plus lequel, qui est pour les filles de base et à la longue de rester avec son copain. Il va avoir ce truc qui l'attire chez lui et voilà. Mais c'est pas mal. Enfin là, j'ai lu que 92 pages, mais j'aime beaucoup pour le moment. Il y a encore pas mal à lire. Bon, ça se lit vite comme c'est une petite BD. Voilà. Les dessins sont toujours aussi beaux. J'espère que ça va aller en profondeur et que l'histoire voilà. Est triste d'achever ce petit. Petite histoire, voilà, touchante et un petit livre doudou pour ceux qui aiment bien pour changer un peu l'idée. Parce que j'ai vraiment pas d'idée de quoi lire après ça. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir un truc que je vais apprécier. Voilà, mais franchement, voilà. J'ai plein de livres, mais voilà, je ne sais pas quoi commencer. J'hésite avec plusieurs livres. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker et de partager. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Du coup, je vous dis à très bientôt pour ce prochain vlog. Bye bye tout le monde. Et plus avec ce petit bouton là.